Mais Julie, salut, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour, Drummond, un rendez-vous en transition, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, une initiative personnelle et on voit que tu es bien entouré encore une fois par nous du mouvement. Alors, le joyeux rendez-vous de Drummond en transition, c'est une initiative citoyenne organisée par des citoyens, pour des citoyens. Trois objectifs pour la rencontre de ce matin. Faire connaître le mouvement de la transition, répertorier les initiatives dans la MRC de Drummond, mm-hmm. et puis célébrer, se réjouir de tous les acteurs qui sont déjà en chemin. Exact. Parlez-nous de votre implication, vous êtes bien entouré. Parlez-nous de votre implication. Ben moi, je fais partie du comité organisateur avec les personnes qui nous entourent. On s'est rencontrés lors d'un café rencontre écolo, puis c'est là que l'initiative s'est dessinée. Et l'objectif, c'était justement de permettre à plein de monde d'être là. Donc, on a eu des familles, on a eu des personnes de tous les âges, de tous les horizons, avec des projets aussi bien personnels que représentant une organisation en particulier. Et donc, moi, je suis en tant que personne, mais aussi avec mes différentes casquettes, avec les projets auxquels je participe ou que je connais ou que j'aurais envie de mener par la suite. Et ça, vous, vous souhaitez vous impliquer de quelle façon? Bien, en fait, moi, je suis une jeune maman, donc pour les générations plus futures, mm-hmm. Justement, ce que je veux laisser à mon garçon, ce que je veux laisser pour les générations futures et les gens autour de moi. Un empreinte écologique importante aussi, d'ailleurs. Oui, oui. Puis, en fait, moi, j'ai eu envie de participer puis de m'impliquer avec le comité organisateur, surtout pour faire une suite dans toutes les petites initiatives qu'il pourrait avoir déjà à Drummondville, ben, permettre à le plus de gens possible de les connaître, puis de rassembler les gens en fait pour qu'ils puissent s'impliquer, puis faire passer encore le mieux possible la bonne nouvelle. Ben, excellent. Donc, un rendez-vous qui va probablement devenir régulier. On va inviter les gens à venir vous rencontrer, à s'informer. D'ailleurs, auprès de vous, de quelle façon ils peuvent le faire? Alors, à ce jour, nous avons simplement une adresse courriel. On va pouvoir vous la communiquer pour que les gens nous écrivent s'ils ont des questions. La suite, ce sera un sondage. On était une vingtaine de personnes réunies ce matin. Et puis, c'est de voir toutes les personnes qui sont là, comment est-ce qu'elles ont envie de faire évoluer l'initiative. On est sur un mouvement organique, positif, constructif. Et donc, c'est vraiment avec toutes les parties prenantes qu'on va proposer les prochaines étapes et puis qu'on va communiquer aussi pour qu'un maximum de gens puissent se joindre à nous.